Bonjour. M'entendez-vous? Moi, je ne m'entends pas. Alors, ce qu'ils viennent de jouer, c'est notre chant d'entrée. C'est un nouveau chant qu'on va chanter tout le mois d'avril. Avez-vous une pièce avant, Bernard et Denise? Je suis sourde aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Aujourd'hui, avez-vous une pièce? Non. OK. Avant de commencer, je veux vraiment vous dire ce que j'ai ressenti tantôt. On est extrêmement chanceux de les avoir au Jubé. C'est vraiment... On est choyés et Père Alain, il dit souvent qu'on est vraiment, vraiment riche à Saint-Joachim avec tout ce qui se passe. Donc, acclamez le Seigneur. Vous qui marchez sur ses pas, deuxième page s'il vous plaît, on ne chantera pas grand chose si c'est grave, c'est lui votre, on y va. Denise, c'est un peu pédagogique, j'ai appris depuis l'exultète. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui. À la fois. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, ensemble. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi, ensemble. C'est lui votre roi. On enchaîne les deux. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Je fais la deuxième partie. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix. C'est lui votre vie, secret de votre joie. Petite différence à la fin de la phrase. On va pour la deuxième partie. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix. C'est lui votre vie, secret de votre joie. On essaye le tout. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez très grand vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Vous êtes exceptionnel, il n'y a pas eu une erreur pour monter ou descendre. Waouh! Le couplet, c'est pas grave, j'aime mieux... que vous chantiez le refrain. Gloria, c'est un nouveau gloire à Dieu ce matin. Cependant, vous connaissez la mélodie. La li li li, la 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 la. Juste, on a des paroles qui sont nouvelles. On peut l'essayer. On y va? Gloire éternelle à notre Dieu, paix sur la terre comme aux cieux. Vous n'avez pas besoin de moi. Je vais partir. On va prendre le psaume parce que il est un peu différent. Essaye. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, l'éternel est son amour. Pour la psalmodie de la strophe, je vous la présente, c'est vraiment simple. Et la deuxième, troisième, vous chanterez avec moi. Bonne célébration.
Bonjour à vous tous et bienvenue à cette célébration du deuxième dimanche de Pâques en une superbe journée ensoleillée. Évidemment, je vous demanderai de vérifier vos cellulaires pour vous assurer qu'ils sont bien fermés pour qu'on puisse profiter au maximum de la célébration. Maintenant, levons-nous pour accueillir notre pasteur Alain. Fils et du Saint-Esprit. Que l'amour du Père pour le Fils et le témoignage de l'Esprit de vérité soient toujours avec vous. Joyeuse Pâques! C'est pas la dernière fois que je vous le dis. La personne qui apprend qu'elle a gagné le gros lot à la 649 met un certain temps à encaisser le choc et à voir les conséquences sur sa vie puis sur celle des gens qui l'entourent. Les apôtres ont eu un choc comme celui-là, après la résurrection de Jésus. Ils ont mis du temps à s'en remettre. Ils avaient peine à croire que celui qu'ils avaient vu se faire crucifier était vivant. Alors, durant 7 semaines, nous allons observer les réactions de différentes personnes, différents témoins de la résurrection. Entrons dans leur étonnement et surtout dans leur joie. Il y a une façon d'entrer dans cette joie, c'est se rappeler de notre baptême. On a été plongé un jour dans la mort et la résurrection de Jésus. On nous a garanti qu'on participerait à la résurrection comme on est sûr de participer, bien sûr, à la mort aussi. Je vous marque de cette eau ce matin pour vous réjouir et vous faire entrer dans la joie des témoins de la résurrection. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen. Chantons le Seigneur. Thank you.
Dieu d'éternel miséricorde, chaque année, par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous et toutes comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu. Je vous disais tout à l'heure que pendant 7 semaines, on était pour voir l'impact de la résurrection sur un ensemble de témoins. Là, d'abord, dans la première lecture, on va voir comment cet impact de la résurrection, l'impact de la résurrection sur la première communauté chrétienne. Dans le livre des Actes des apôtres, Luc dessine un portrait peut-être un peu exagéré, peut-être un peu idyllique des premiers chrétiens qui ont été éblouis par la résurrection. Mais, chose certaine, il veut faire ressortir le fait qu'ils avaient à cœur de tout partager, de tout mettre en commun pour que personne ne manque de quoi que ce soit. On écoute. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis, on les distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est le jour que fit le Seigneur,
qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Quand on veut honorer la mémoire d'une personne défunte, on s'efforce évidemment de respecter et exécuter ses dernières volontés. Et c'est ça que l'apôtre Saint Jean demande de faire avec Jésus. On l'écoute. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est vérité. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. La réaction de ceux et celles qui sont touchés par la résurrection, c'est de dire et de chanter « Alléluia ». Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Naïsou. Alléluia, 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 Naïsou. Le Seigneur soit avec vous. Voici la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des douze, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, 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 je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. »
Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main, mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Je vous ai beaucoup parlé dans le temps de Pâques. Je vais essayer d'être plus court ce matin. Mais je ne garantis rien. Trois choses me frappent dans cet évangile-là. La première, et que c'est donc une foi difficile que la foi en la résurrection. Croire en un être suprême qui dirige le monde, qui a créé le monde, passe encore. Mais là, croire que Jésus est mort, qui est ressuscité, puis qui est présent, oh boy! Puis il y en a un qui a dit, « Oh boy, c'est Thomas, un des 12. » Il n'était pas là le soir de Pâques, quand Jésus est apparu aux disciples. Puis il raconte ça pendant la semaine, il dit, « Tu sais pas quoi? Le Seigneur est vivant, on l'a vu. » Ben, voyons donc. Hé, Thomas. Lui, il aurait voulu des preuves, il aurait voulu palper, tu sais, toucher. Alors, moi, il va falloir que j'y touche. Je vous dis qu'il y avait des plaies, puis ça. Quand je mettrai mon doigt dans le trou de ses mains, puis dans la main dans son côté, je le croirais, mais avant ça, là, pas question. Il ne voulait pas se fier juste à la parole des apôtres qui avaient dit, nous autres, on l'a vu, passer pour lui. Et c'est notre défi à nous autres aujourd'hui, 2000 ans plus tard, parce que nous autres, là, Jésus ne nous apparaît pas, là. Nous autres, on est obligés de se fier à la parole des apôtres qui disent qu'il est ressuscité. Hey, c'est quelque chose, c'est difficile, ça. Puis, moi, ce qui m'a aidé là-dedans, je vous l'ai déjà dit, dans le temps que je vivais à Rome, ça se dit bien, hein? Quand j'étais étudiant à Rome, j'allais sur la place Saint-Pierre à peu près tous les jours. J'habitais à côté. Puis, il y avait deux grosses statues qui sont encore là, Pierre et Paul, puis on les a dans l'église ici. Pierre, il est là, puis Paul est juste en face, comme sur la place Saint-Pierre. Puis, une journée, j'étais là, puis je me disais, qu'est-ce qu'ils sont venus faire à Rome, ces deux-là? Là? Ils vivaient en Israël, ils ne parlaient pas le latin. Paul parlait le latin probablement, mais pas Pierre. Il s'est envenu en plein cœur de l'Empire romain, alors que c'était très dangereux pour lui. Il y avait des persécutions contre les chrétiens. Puis, j'ai une distraction parce que je vois un fil débranché. C'est-tu normal, Pierre-Luc? C'est correct? C'est pas de mes affaires, hein? Tu ne veux pas me le dire, mais c'est fort. Merci. Alors, j'avais peur que la caméra ne marche pas. Alors, Pierre s'est envenu au cœur de l'Empire romain alors qu'il avait renié Jésus. Il avait eu peur de se montrer son disciple. Comment ça se fait que là, il n'a plus peur, il s'en vient à Rome et il meurt là. Puis Paul, il persécutait les chrétiens, c'est encore pire. Puis là, il s'en vient mourir à Rome à sa demande. Ils vont y couper la tête. C'est que c'est passé, comment expliquer ça? Puis je me disais, la seule explication, c'est qu'ils ont rencontré Jésus après sa mort. Alors ça me frappe, ça me parle, et je me fie à leur foi. Parce que la foi n'est pas facile, le doute vient facilement, puis c'est normal. Ça fait partie de notre expérience de foi. Il y a des journées qu'on a une foi bien vive, puis le lendemain, là, ouf, tu es bien sûr que... Il y a des éclipses dans notre foi. Ça vous dit-tu quelque chose, ça, le mot éclipse? Êtes-vous déjà tanné d'en entendre parler? On a-tu hâte à 4 heures demain après-midi? Soit fini.
une éclipse. Hein, demain, là, la lune va être entre le soleil et nous autres, puis ça va faire que le soleil disparaît. Mais dans nos vies, c'est comme ça. Le soleil de notre vie de foi, c'est le Seigneur. Il y a des affaires qui passent entre le Seigneur et nous autres. Puis qui masquent la source de lumière, puis qui nous gardent dans le noir. Je pense, par exemple, au problème du mal. On voit le mal qui existe dans le monde. On voit des guerres, des famines, on voit des enfants souffrir. C'est bien sûr que le Seigneur est là, là. Des fois, c'est une expérience de solitude ou une peur qu'on a. Des fois, c'est le silence de Dieu. On le prie, ça ne répond pas. Des fois, ce sont ses absences. Des fois, c'est la science qui semble dire que, ah, on peut tout vous expliquer, là, il n'y a pas de Dieu là-dedans. Là. Dieu s'éclipse. Pas facile de croire, hein? Et pourtant, c'est la deuxième chose qui me frappe dans cet évangile-là. Deux fois dans l'évangile, il est dit, « Et il était là au milieu d'eux. » Le jour de la résurrection, un dimanche. Puis le huitième jour après, l'autre dimanche. Comment? On ne le sait pas, mais il était là au milieu d'eux. En fait, il était déjà là quand les apôtres se sont réunis. Ils n'ont pas eu besoin de le faire venir puis de l'appeler. Il était déjà là. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. Il est déjà là, le Seigneur. J'en ai parlé avec un de mes frères qui est à l'hôpital depuis un mois. On ne s'est jamais parlé de la foi entre nous. À Noël, il vient en merci, là, ici, dans le dernier banc. Là. On ne s'en parle pas. Là, on s'en est parlé. Il dit, je l'appelle à peu près tous les jours. Il dit, le soir, il dit, avant de dormir, il dit, je fais un petit monologue à Dieu, mais je ne sais pas si je suis entendu. J'ai dit, oui, tu es entendu. Moi, j'en ai fait l'expérience. Il est là, il nous entend, puis il donne des suites. Check-toi, là, il va se passer de quoi? Il est là, au milieu de nous. Et Saint Jean, le coquin, dans son évangile, pas pour rien qu'il nous le raconte comme ça. Le dimanche de Pâques, il est là au milieu d'eux. Le dimanche suivant, il est là au milieu d'eux. Il est en train de dire aux gens à qui il adresse son évangile, vers les années 90 après Jésus-Christ, quand les chrétiens se rassemblent le dimanche, il est là au milieu d'eux, au milieu de nous. Une petite catéchèse sur le jour du Seigneur, une petite catéchèse sur le dimanche. Il dit, le premier dimanche, Thomas n'était pas avec la communauté. Il a douté. Le deuxième dimanche, il était avec la communauté. Il a cru. Peut-être que tu auras avantage à être là avec la communauté. Surtout quand ta foi, comme disait un de mes confrères, quand ta foi déflaille. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça. Quand ta foi est défaillante, rapproche-toi de la communauté, ne manque pas le rendez-vous. Troisième chose qui me frappe dans cet évangile-là, ce sont les blessures de l'amour. Jésus se fait reconnaître par ses blessures, les marques qu'il y a dans les mains, la blessure dans son côté. Il est ressuscité, mais ça n'a pas disparu. Les blessures de l'amour. Il ne se fait pas reconnaître par son éclat, sa grandeur, sa force. Non, non. Les blessures ineffaçables de l'amour, les cicatrices de l'amour. Puis ça me faisait penser à nos cicatrices de l'amour. On n'y pense pas, hein, mais je pense, par exemple, aux femmes qui ont accouché par césarienne. Ça laisse une trace, hein? Mais quelle belle blessure de l'amour. Pour donner la vie, vous avez accepté que votre corps soit altéré, qu'il garde une marque. Wow! Je pensais à un gars qui s'est fait casser le nez par un coup de poing parce qu'il a défendu une femme qui se faisait attaquer dans le métro. Il s'est interposé, il a mangé un coup de poing, ça lui a cassé le nez, il a saigné, puis le nez est resté un peu croche après. Il est gêné de ça. Sois pas gêné de ça. Ça, c'est une blessure de l'amour aussi. Tu as pris la défense de quelqu'un? Wow! Je pensais à un policier que j'ai connu quand j'étais enfant.
Mon père est un policier, vous le savez, puis il était membre d'un club de pêche en haut de la Tuque, où j'aimais beaucoup aller. Puis une journée, ce capitaine était là, puis on le connaissait par les journaux. Il faisait partie de ce qu'on appelait la patrouille de nuit, qui est l'ancêtre du groupe tactique d'intervention aujourd'hui, là. Il faisait les descentes les plus dangereuses, puis il n'était pas équipé, les gars, dans le temps. Puis une journée, il n'y avait pas de chemise au club de pêche. Il promenait torse nu. J'aperçois les deux trous de balle qu'il y a dans le corps. Ça avait été réparé par un chirurgien, là, mais on voyait les traces. Puis je me disais, il a été courageux, cet homme-là. Il a reçu ces deux balles-là pour protéger les citoyens. Ça en est des blessures de l'amour aussi. Je pensais aux agriculteurs à Saint-Fabien de Rimouski, que je salue parce qu'ils nous suivent le dimanche. Quand je donnais la communion l'été dans mes vacances, je remplaçais le curé de Saint-Fabien, Benoît Hens. Les gens venaient communier, puis je voyais les agriculteurs, il y en a beaucoup à qui il manquait un doigt ou deux, là. Je ne sais pas ce qu'ils avaient perdu, mais c'est ça, certainement dans leur travail. C'est rough être agriculteur, là. Même si vous avez des machines et tout ça, là. C'est un travail manuel. Puis pour nourrir non seulement sa famille, mais les gens, il subissait des blessures importantes. Puis je me disais, ce sont des belles mains, ça. Des mains blessées, ce sont des blessures de l'amour. Jésus ressuscité est là où il y a des blessures d'amour. Puis souvent, c'est des blessures physiques, mais pas juste des blessures physiques, là. Je pense aux gens qui ont des blessures intérieur. Je pense à la blessure qu'on peut avoir à notre réputation quand on dit que nous autres, on... Oui, oui, dimanche matin, attends-moi pas pour le brunch, là. Il faut que j'aille à la messe d'abord. Hein? Tu vas à la messe? Oui, non, non. Je pensais que c'était fini, ça. Non. C'est pas fini pour moi, en tout cas. Puis tu te fais regarder drôlement. Ça laisse une trace. Je pense des fois à des blessures qu'on a dans nos amitiés. Je pense à Antoine, là, qui a été baptisé au mois de novembre, puis on a fait sa première communion dimanche passé. Là. Bon, je vais le confirmer au mois de mai. Antoine me racontait l'autre jour, il y a 18 ans, il dit, mes chums musulmans, quand ils ont su que je voulais me faire baptiser, là, ils m'ont regardé drôlement, puis ça a fait un froid entre nous autres. Là. Ça a laissé une trace en lui. Hein. J'ai reçu mon relevé de la Caisse populaire des Jardins, pour ma carte de crédit. Puis il y a des montants que je ne comprenais pas. Non, je dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Quel chèque que j'ai fait. Écoute, j'ai dit, ah oui, c'est vrai, c'est tel parrainage que je voulais ajouter. C'est bon, ma démarche de carême, ça. Ça fait une cicatrice dans le compte de banque. C'est une blessure d'amour dans le compte de banque. C'est quoi vos blessures d'amour, vous autres? Demandez-vous ça cette semaine-là. C'est quoi mes blessures d'amour? C'est important de les regarder, de les répertorier, parce que le ressuscité, il est là où on a des blessures d'amour. Ce qui aide à cicatriser nos blessures d'amour, ce qui aide à trouver la vigueur d'affirmer notre foi en la résurrection, c'est quand ensemble on fait notre profession de foi. Alors on va se lever. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans son immense miséricorde,
Le Seigneur écoute les gens qui se tournent vers lui. Adressons-lui notre prière avec confiance. Exauce-nous, Dieu de miséricorde. Prions pour tous ceux et celles qui consacrent leur vie à contempler les signes de la présence du ressuscité, que leur engagement quotidien alimente leur miséricorde. Exauce-nous, Dieu de miséricorde. Prions pour les gens qui aspirent à vivre leur foi dans un contexte hostile à leur religion. Que leur recherche de sérénité soit comblée par la présence de Jésus. Exauce-nous, Dieu de miséricorde. Prions pour les personnes baptisées durant la nuit de Pâques. Qu'elles s'emploient à manifester au grand jour les trésors de miséricorde reçus de Dieu. Exauce-nous, Dieu de miséricorde. Prions pour les artisans et artisanes de paix, que leur action produise des fruits de réconciliation et de réparation. Exauce-nous, Dieu de miséricorde. Prions pour les membres de notre communauté, qu'ils déverrouillent la porte de leur cœur afin de soutenir les plus vulnérables de la société. Exauce-nous, Dieu de miséricorde. Norman, tu nous apportes le livre des intentions de la communauté. J'ai ajouté moi-même une intention là-dedans pour mon frère. Dieu notre Père, ton Fils ressuscité vient nous redonner souffle et entrain sur la route de notre quotidien. Éclaire-nous de ton esprit de vérité pour que nous puissions continuer de marcher dans la direction que tu nous indiques. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Nous recueillons nos offrandes. La messe de ce matin est offerte pour M. Jean-Pierre Girdoscas et aussi pour M. Bernardin Boulanger. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les offrandes de ton peuple et en particulier de ceux que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin.
par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, c'est juste et c'est bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous affranchit de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne partout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Nous te bénissons par Jésus le Christ, ton Fils, lumière du monde. Il est la flamme qui ne s'éteint pas, la parole qui nous éclaire, la main tendue aux égarés. Par lui, tu nous as conduits à la réconciliation. Tournés vers toi, nous pouvons nous aimer les uns les autres. Et maintenant que nous célébrons la réconciliation que le Christ nous a obtenue, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du repas, il prit dans ses mains le pain et, te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Et de même, ce soir-là, il prit dans ses mains la coupe de bénédiction en proclamant ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous. Car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi. On se lève et on chante. Célébrons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. En faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, qui nous a donné un tel gage de son amour, nous te présentons cette offrande qui nous vient de toi.
Père, accueille-nous avec ton Fils. Et dans ce repas qui nous sauve, accorde-nous son esprit pour rallumer en nous ce qui faisait battre le cœur de ton Fils. Que ce même esprit fasse disparaître les causes de nos divisions et de nos guerres. Qu'il allume partout dans l'Église et dans le monde la joie et l'espérance. Que l'Église elle-même génère la justice et la paix. Que l'Esprit nous garde en communion avec nos pasteurs, François, notre pape, Christian, notre évêque, les autres successeurs des apôtres et ton peuple tout entier. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs que la mort a emportés. Garde-les dans la lumière de ton visage. Et comme tu nous réunis maintenant à la table de ton Fils, rassemble-nous un jour avec Marie, Mère de Dieu, avec les apôtres, les saints et saintes, nos frères et sœurs, avec les hommes et les femmes de toute origine et de toute langue qui sont morts dans ton amitié. Garde-nous ensemble jusque dans le banquet de l'unité totale où resplendira la paix venue de toi dans le Christ Jésus, notre Seigneur et notre frère. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris de Jésus lui-même, nous aimons parler au Père avec ses mots et nous les disons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Alors, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui nous es présent pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. On va saluer les personnes autour de nous, on leur offre un vœu de paix. La paix du Christ soit avec vous, mes amis. La paix du Christ soit avec vous autres. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Et voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement de parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Vous savez que le dimanche, à notre messe YouTube, on a toujours autour de 500 foyers qui nous suivent par YouTube. C'est un peu partout. Je veux juste saluer aujourd'hui quelques personnes parce que je les ai rencontrées dans le temps de Pâques. Une madame dont je ne sais pas le nom, qui vient de Hamilton, en Ontario, elle nous suit le dimanche, puis là, elle a dit,
Elle m'arrive, je suis plus qu'à l'office, je ne sais pas si c'est le jour de Pâques ou la veille, elle dit, je suis venu voir en personne comment c'était. Ben, t'es contente, t'as trouvé que ça avait valu le déplacement. Que donc, Hamilton. Un prêtre de 82 ans, il s'appelle Robert, c'était le vicaire épiscopal de la région il y a un certain nombre d'années. Il est à la retraite maintenant, mais il a été curé jusqu'à 80 ans. Il s'est blessé aux jambes deux fois, puis c'était un peu compliqué. Là, il est en train de récupérer de sa dernière blessure. Il est tombé dans un escalier, il s'est cassé la hanche, etc. Le dimanche, il célèbre la messe chez lui en nous regardant. Alors, pour lui, il y a comme une communauté avec laquelle il célèbre. Je n'avais jamais pensé que notre messe du dimanche pouvait servir à ça. Je trouvais ça beau. Alors, je le salue, il va se reconnaître. Puis, il y avait les gens de Saint-Fabien, dont je vous ai parlé tantôt, Saint-Fabien, Bic, Saint-Eugène, puis Saint-Valérien, autour de Rimouski, où j'allais l'été. Pardon? Paris. Ah, à Paris aussi. Oui, oh, oui, ben là, l'Arabie saoudite aussi. Non, non, c'est vrai. Le Pérou, l'Allemagne, la Belgique. Je reçois des courriels un peu partout, des gens qui disent qu'ils nous suivent comme ça. C'est le fun de savoir qu'on est en communauté avec eux autres. Merci à tous les gens qui ont apporté leur contribution à la réalisation de nos jours saints. Je pense à tout le carême, là, depuis les cendres jusqu'à Pâques, inclusivement. Là. À l'œil comme ça, je dirais qu'il y a entre 50 et 75 personnes qui ont joué différents rôles. Certains ont été plus remarqués parce qu'ils étaient lecteurs au ministre de communion ou qui faisaient du chant ou de la musique. D'autres, ça a été dans l'ombre pour préparer des décors, pour trouver des accessoires, etc. Ils ont mis beaucoup de temps. Ça nous a permis, je pense, de vivre des beaux jours saints. Là, à l'œil comme ça, je dirais qu'on a vécu des très bons moments ensemble. Là. Je vous remercie, vous tous et toutes, là, qui avez apporté votre contribution. Dimanche prochain, on sert le café à la fin de la messe. C'est le deuxième dimanche du mois. On avait fait exception pour le carême, mais là, on se reprend. Alors, il y aura la messe familiale, puis après ça, café, chocolat chaud. Ça devrait être chaud cette fois-ci. On va se brancher ailleurs. Et il devrait avoir encore des guimauves pour mettre dans le chocolat chaud, j'espère. Parce que moi, je bois ni café ni chocolat chaud, mais je mange des guimauves. Quelqu'un me demandait tantôt si on avait des enveloppes pour la campagne de dîmes. La campagne est lancée sur notre site web. Vous pouvez déjà y aller puis vous profiter de l'occasion pour faire votre don pour cette année. L'envoi postal est en train de se faire. Donc, d'ici une semaine ou deux, vous allez recevoir l'enveloppe à la maison. Si ce n'est pas le cas, d'ici deux semaines, je mettrai des enveloppes sur les tables. Mais là, je ne voulais pas vous mélanger. Fait qu'on va laisser faire l'envoi postal. Puis après ça, vous pourrez prendre une enveloppe à la fin de la messe. C'était la fête de notre secrétaire Michel Côté hier. Alors, si vous la croisez, il ne sera pas trop tard pour lui souhaiter bonne fête. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous avez vu, les travaux sont plus... Ils étaient commencés. Là, ça s'intensifie. Ça, c'est la première phase. Ça va aller jusqu'au début juin. Jean, corrige-moi si je me trompe. C'est à peu près ça. Jean, lève-toi donc, on te voit. Jean, c'est un de nos marguilliers, ingénieur de profession. C'est lui qui gère le dossier des travaux, bien secondé par Richard, qui est de l'autre bord, que je vois, qui est notre comptable agréé, marguillier. Lui, il trouve l'argent pour que Jean fasse faire les travaux. Alors, il déplace ses placements, etc. Alors, ça demande pas mal de travail. Ça va nous demander beaucoup d'argent. Pour le moment, on a ce qu'il faut pour cette phase-là. On n'aura pas ce qu'il faut pour les autres phases. Nos revenus habituels ne suffiront pas. Je vous le dis parce que c'est la campagne de dîmes, là. Il va falloir trouver une manière de faire du financement. J'ai une petite idée là-dessus. Je vais lancer la chose cette semaine. Il y a des gens que je vais contacter pour qu'ils nous donnent un coup de main. Je ne sais pas si ça va marcher. Vous prierez pour ça. Un grand mystère. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Ça va nous coûter de notre poche à peu près 1 million à l'œil de même, là. Indépendamment des subventions qu'on reçoit ou qu'on recevra du gouvernement. 1 million. À peu près, là. Oh! Prions le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Allez dans la paix, dans la joie du Christ. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Merci, bonne semaine, à bientôt.